Bonjour les amis, un aspect qui est souvent mal connu du grand public concernant la vie des professeurs. Ils ont bien sûr une obligation de soins pour les professeurs en médecine, une obligation d'enseignement, on le comprend dans le vocable professeur, mais aussi une obligation de recherche. Et dans le cadre des professeurs de médecine et de professeurs de chirurgie plastique dans mon cas particulier, eh bien, donc, on pratique de la recherche dite clinique. Et pour réaliser cette recherche clinique, il y a besoin d'avoir un certain nombre de diplômes, dont un diplôme que l'on doit repasser régulièrement tous les 4-5 ans pour se recertifier à la recherche clinique. Donc, c'est un diplôme qui concerne essentiellement les aspects réglementaires de la recherche clinique. Et pour ce qui me concerne, j'ai dû le repasser hier, donc c'est un diplôme qui se passe en ligne, ça prend à peu près une heure, et donc voici le parchemin en question, et dans 5 ans, je devrais à nouveau recommencer, parce que bien sûr, la législation évolue, et que le législateur a souhaité que les chercheurs en recherche clinique soient toujours à la pointe de la réglementation et de l'éthique dans le domaine. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très bientôt.